Bonjour à tous, nous voici au Centre des Congrès de Val d'Isère pour la 19e édition du Festival Aventure et Découverte. Nous sommes ici avec Jacques Olivier et son aigle Fletcher. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Et donc nous sommes ici justement pour la présentation du film Freedom, l'envol d'un aigle, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est effectivement un film sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est une espèce qui me tient à cœur, puisque vous avez devant vous malheureusement une espèce qui est disparue de notre pays depuis presque 200 ans, et j'avais envie de la faire redécouvrir aux gens, au grand public, à travers un film un petit peu original, sympathique, et puis j'espère plein d'émotions et de tendresse. Et justement le film c'est à propos de deux aigles différents qui ont deux vies complètement différentes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, alors ce film est une fiction, hein, soyons bien clairs. Donc c'est l'histoire en fait d'un aigle nommé Roy, qui lui est dans la nature, il pense être le dernier de son espèce, et en fait il va nous raconter l'histoire de son espèce, comment elle a disparu en fait de notre pays. Et de l'autre côté, un autre aigle, une femelle nommée Kaba, elle est en captivité et elle rencontre un fauconnier, en l'occurrence moi, qui va essayer de lui apprendre à voler, parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, un aigle qui est né en captivité ne sait pas voler, hein, il sait se déplacer, et je vais essayer de lui apprendre à voler avec plein d'éléments, du parapente, du ski, enfin plein de choses. Et ces deux, par le hasard de la vie, ces deux destins vont se rencontrer et ça va donner une histoire assez incroyable. Et justement, dans l'apprentissage pour ce film, est-ce qu'il y avait un aigle en particulier qui devait apprendre à voler? Est-ce que ça, c'est de la non-fiction? Non, on a été bien évidemment obligé de respecter, les oiseaux ce ne sont pas des acteurs, hein, et on n'est pas capable de leur demander de faire des choses qu'ils savent ou pas faire ou qu'ils ont déjà fait, de faire semblant, donc on était obligé vraiment de dresser. Donc on avait deux femelles qui jouaient le rôle de deux cabas en fait, et on avait trois roys qui jouaient donc chacun des rôles différents en fonction de l'année, en fonction de leur spécificité aussi, donc en tout cinq aigles sur le tournage qui a pris part sur plus d'un an, donc une belle aventure avec les oiseaux. Et votre histoire avec les aigles, c'est quand même quelque chose qui date depuis longtemps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre intérêt dans cette espèce d'oiseaux? Oui, en fait, moi, depuis que je suis enfant, je suis passionné par les rapaces. Et en fait, le pygargue à queue blanche, donc qui est le plus gros aigle d'Europe, hein, c'est un très gros oiseau, m'a fasciné à partir du moment où j'ai lu un livre d'un ornithologue suisse qui s'appelait Paul Géroudet. J'étais enfant, j'avais 12-13 ans, et il disait, enfin, à peu près, à quelques mots près, il disait « Je vois passer devant moi ce géant, peut-être ne le sait-il pas, mais est-il le dernier de son espèce ?» Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase m'a marqué, et je me suis toujours dit « Voilà, moi, je veux faire quelque chose pour cet aigle-là, il m'a fasciné, voilà, je n'ai pas d'autre explication, en fait. » Et après votre parcours, dans ce cas-là, vous êtes scientifique, vous êtes entraîneur, ça se passe comment exactement? Alors c'est assez particulier parce que moi je suis journaliste de formation. D'accord. Mais j'étais pas un très bon journaliste donc j'ai vite dévié dans les animaux. Et donc en fait en même temps que j'ai mon diplôme de journaliste, j'ai mon diplôme de directeur de parc zoologique puisqu'on passait à ce moment-là, je passais en ce moment-là les deux choses. Et puis j'ai très vite bifurqué après un an et demi dans le journalisme dans les oiseaux. Au début à travers le parc Les Aigles du Léman que j'ai créé en Haute-Savoie, à Sier, au bord du lac où on présente un peu plus de 150 oiseaux à travers des spectacles, un peu ce qu'on connaît traditionnellement en France. Et puis maintenant depuis 10 ans, je développe surtout des nouvelles techniques de film où je mets des caméras sur le dos de mes oiseaux, je les filme depuis des hélicoptères, depuis des drones, ça c'était la deuxième chose. Et puis maintenant depuis 6 ans un programme qui s'appelle Freedom qui a pour but maintenant de réintroduire, de remettre dans la nature cette espèce qui est disparue, pour lequel donc on a une grosse campagne de sensibilisation, ce qui est le cas du film, hein. Le but c'est vraiment de faire découvrir cette espèce. On fait aussi des événements, on a fait décoller un aigle depuis la Tour Eiffel récemment à Londres, et là on rentre de Dubaï, on en a fait partir un depuis le sommet de la plus haute tour du monde. Donc tout ça c'est pour sensibiliser le public, leur faire découvrir ces oiseaux à travers des images un petit peu exceptionnelles et leur dire s'il vous plaît aidez-nous à les faire revenir dans la nature parce que ça se fera pas sans l'acquiescement j'allais dire du grand public. Et justement c'est quoi les plus grands challenges dans la réintroduction d'une espèce comme celle-ci? Pour moi ce qui est un petit peu particulier c'est que ma méthode est nouvelle, c'est-à-dire que je veux absolument réintroduire des oiseaux adultes dans la nature, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, on a toujours réintroduit des bébés. Malheureusement on sait qu'il y a beaucoup de déchets parce qu'il manque d'expérience, il y a plein de choses qui posent des problèmes dans une réintroduction de bébés. Ce qui pose un problème dans la réintroduction d'adultes c'est qu'il faut vraiment par contre leur apprendre. Il y a vraiment un travail, j'allais dire, presque de coach, hein, si on peut passer l'expression, où il faut leur apprendre à voler, leur apprendre à pêcher. Donc pour ça, on a mis des méthodes assez incroyables, assez spectaculaires aussi, il faut le dire, qui sont visibles dans le film. Et on a aujourd'hui des résultats qui sont vraiment stupéfiants. On arrive entre 5 et 7 mois à apprendre à voler et à pêcher à des oiseaux et à faire en sorte qu'ils volent comme des oiseaux sauvages. Donc c'est assez incroyable et génial. Et pourquoi pour vous c'est important de réintroduire des adultes plutôt que des bébés? Ouais, parce qu'on est confronté quand on réintroduit des bébés, si vous voulez, la première chose c'est qu'en dehors de l'inexpérience qui va en conduire une grande partie à la mort, un bébé il est programmé
bouge pas trop parce qu'on est bien installé. Un bébé est programmé dans sa tête, il a une espèce de programme, code génétique qui lui dit tu dois partir du territoire de tes parents. Donc ça veut dire que quand vous le réintroduisez à un endroit, dans sa tête, lui, c'est impossible que 3 mois après il soit à cet endroit-là, il sera à 500, 600, 700 km. Donc c'est pas facile de gérer et il va lui falloir 6, 7 ans avant d'être adulte, d'avoir une chance de se reproduire. Alors qu'à l'inverse, un adulte, dans sa tête, il a une espèce de petit code génétique qui lui dit à l'endroit où on le lâche, il va établir son territoire. Donc on va déjà pouvoir le fixer, il va reproduire dès l'année suivante, on va pouvoir contrôler son apprentissage, c'est-à-dire qu'il va repartir vraiment lorsqu'on aura décrété que l'oiseau est capable de retourner dans la nature. Donc on a priori, je dis bien a priori parce qu'on n'en a encore pas remis dans la nature avec cette méthode, mais a priori sur le papier, on comble tous les manques de la première méthode. Maintenant il faut tester, il faut être humble, peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. En tous les cas, on fait tout ce qu'on peut nous pour donner à ces oiseaux la meilleure chance de retourner un jour dans la nature avec, je dirais, une vraie chance de succès. Et pour vous, vous envisagez de pouvoir commencer la réintroduction à quel moment ? Alors là, pour la première fois, on a deux couples cette année qui ont reproduit en captivité, parce que nous, c'est important, c'est de relâcher un couple qui reproduit, c'est-à-dire qu'ils aient de l'expérience, qu'ils aient déjà eu des bébés, pour que dans la nature, ça soit plus facile pour eux, parce qu'on sait que malheureusement, les premières, deuxièmes reproductions, souvent, ce sont des échecs. Donc là, on a deux couples qui ont reproduit cette année. Donc ça veut dire que pour nous, on pense que dès 2017, maintenant, on sera prêt à remettre au moins un de ces deux couples dans la nature. Et est-ce que Fletcher, ce serait le genre d'oiseau à lâcher en freedom ? Alors malheureusement non, Fletcher c'est l'exemple inverse, vous le voyez d'ailleurs ici, il est sur un plateau de télé complètement calme et tranquille, habitué à nous et il n'a absolument pas peur. C'est hyper impressionnant. Ouais, voilà, donc, aussi, oui, bah, ça, c'est il est moins stressé que moi je crois. Oui, c'est un des ambassadeurs en fait, de notre programme, donc lui il a l'habitude de voler à l'intérieur. Lui c'est vraiment un oiseau qui nous sert à aller à la rencontre du grand public. Par contre dans sa tête il n'est pas du tout capable de retourner dans la nature. Mm-hmm. Retourner dans la nature ça demande de ne pas être trop proche de l'homme et ça dans notre entraînement. On a toute une méthode qui fait que, si possible, on n'a pas trop de contact avec eux. Ce qui n'est pas du tout le cas de Fletcher, vous voyez, qui lui est plutôt cool, quoi. Et justement, Fletcher a toujours grandi en captivité. Ça, c'est quoi son histoire exactement ? Oui, alors tous nos oiseaux, hein, ceux qui vont retourner dans la nature, sont tous nés en captivité. Mmh. Fletcher, lui, est né il y a 7 ans maintenant dans un zoo en Allemagne. Bon, lui a été élevé par l'homme, donc c'est pour ça qu'il a une immense proximité avec nous. Par contre, on fait très attention dans le programme Freedom maintenant d'avoir des oiseaux qui naissent en captivité, qui sont élevés par leurs parents. Et il n'y a quasiment plus de différence. Pour vous donner une idée, nous, la volière dans laquelle reproduisent nos oiseaux, elle fait 4200 m², ils ont un bassin de pêche, les parents vont pêcher leurs propres poissons. J'allais pas dire c'est pas comme si c'était dans la nature, c'est pas vrai, mais on s'en approche vraiment. Et le bébé qui naît, lui, verra pas la différence entre être né dans un nid dans la nature ou être né dans un nid chez nous. Ce sont ses parents qui vont l'élever, ses parents qui vont lui amener la nourriture. Il aura aucun contact avec l'homme. Donc là, on a des oiseaux qui sont parfaits pour être réintroduits. Mmh. Et vous nous aviez mentionné un peu votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser dans l'audiovisuel ? Je comprends que c'est un outil pour la sensibilisation, mais pourquoi ça en particulier ? Alors ce qui est assez drôle en fait, moi je suis surtout connu pour avoir mis ces petites caméras sur le dos des aigles, hein, on a vu des images un peu partout. En fait ce que les gens ne savent pas c'est qu'au départ on ne l'a pas fait pour faire des images. Moi ce qui se passait c'est quand j'apprenais à voler à mes oiseaux, les trois quarts du temps soyons honnêtes, ils se sauvaient, hein, ils foutaient le camp si vous me passez l'expression. Okay. Et au bout de 5 minutes je les perdais de vue et je les retrouvais 2, 3, 4 heures après. Je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2, 3, 4 heures ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il s'est posé quelque part ? Est-ce qu'il a volé ? Est-ce qu'il a attendu ? Et en fait je me suis dit mais si je mets une caméra sur le dos, quand je vais les récupérer, je vais pouvoir voir ce qui s'est passé. Et en fait j'ai mis une caméra sur le dos et la première fois que j'ai vu l'image, je me suis dit mais c'est fantastique, c'est extraordinaire. J'ai mis cette vidéo sur internet, elle a fait des vues et des vues et des vues. Et oui, je m'en souviens, je l'ai même vue moi-même voilà. Sur YouTube. Et donc après j'ai été contacté par des chaînes de télévision qui ont commencé à me dire mais vos images sont incroyables, il faut que vous développiez ça. Et ben, maintenant depuis 2009 on fait quasiment que ça, des images avec les aigles. Alors ça concilie ma passion et en même temps j'aime bien l'image parce que je trouve qu'on est dans un monde d'images, d'émotions. Et c'est ce que je dis, j'aurais pu faire des milliers de conférences devant 50 ou 100 personnes que là je fais la dernière vidéo, je crois, fait 30 ou 40 millions de vues. Vous imaginez l'avantage que c'est pour nous, quoi. C'est vrai que c'est une perspective hyper intéressante. La question que moi je me suis posée en regardant les vidéos, c'est comment vous faites justement pour attacher les caméras sur l'aigle ? C'est un petit peu notre secret de fabrique, si vous me passez l'expression. Non, mais en fait, pour être simple, si vous voulez, l'aigle a un harnais sur son dos qui correspondrait à un espèce de sac à dos. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est pas bien la télévision en direct, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça prouve que c'est du direct. Ce harnais est vraiment ajusté sur l'oiseau. Et en fait, le secret, c'est le harnais parce que la caméra, on utilise des caméras Sony que n'importe qui peut acheter dans le commerce pour 300 euros. Donc là, il n'y a pas de secret, pas de magie. Mais par contre, tout est dans la fixation de la caméra et le réglage des angles de caméra pour avoir bien le paysage, la tête de l'oiseau en même temps. Mais c'est super intéressant, on a passé un an et demi à développer ça et aujourd'hui on a vraiment des images magnifiques. Les oiseaux ne sont plus du tout gênés quand ils volent avec ces caméras et ils nous offrent des perspectives qu'on n'aurait jamais imaginées, quoi. Tout à fait. Et est-ce que vous avez eu quand même pas mal de résultats en termes de sensibilisation de la population générale ? Ça s'évolue comment justement ? Oui, bah, je crois que ça c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est qu'aujourd'hui on est submergé par les demandes, j'allais dire, que ce soit de gens qui découvrent ces images et qui ont envie de découvrir plus sur la page.
Alsace qui nous demande bah, de venir faire des stages chez nous, de venir découvrir ça. Mais surtout, on est vraiment submergé par les, des demandes d'équipes de télévision qui trouvent aussi des images sympas et qui relaient cette information, qui viennent faire des reportages chez nous, montrer comment on élève ces oiseaux, montrer comment on veut les réintroduire. Et ça, pour nous, c'est juste magique parce que la semaine dernière, j'étais avec des Allemands et des Canadiens. La semaine prochaine, je suis avec des Italiens et des Suisses. Voilà, c'est ça qui est génial. C'est qu'aujourd'hui, ça a dépassé le cadre de nos petites frontières savoyardes et haut-savoyardes et que c'est une belle image pour les aigles. Et vous nous avez parlé du fait que le film que vous présentez est quand même un film de fiction. Pourquoi vous avez choisi de passer un peu dans une thématique avec une histoire plutôt qu'un documentaire ? Je vais être franc avec vous. Moi, je travaille depuis des années avec la BBC au quotidien. On n'était pas capable de faire mieux que ce qu'il faut en termes de documentaire. Si c'est pour aller raconter qu'il a 10 plumes de plus que l'autre ou machin, ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de raconter l'histoire de ces aigles et de raconter surtout la relation. Moi, je suis persuadé que l'enjeu des 20-30 prochaines années, c'est d'apprendre à vivre avec les animaux sauvages. Mmh. On en voit la difficulté avec les ours, avec les loups, mais aujourd'hui aussi avec les vautours. Dans quelques années, vous verrez que les aigles royaux, on aura des soucis. Donc, il faut vraiment qu'on fasse ce travail, nous, les passionnés, d'explication, de pédagogie. Et il n'y a pas un meilleur outil que la fiction, que le cinéma, que la télévision. Pour faire passer ce message-là. Tout à fait. En tout cas, on a vraiment hâte de voir le film. Un grand merci d'être venu, un grand merci à Fletcher d'avoir été présent. Mais il était super sage en plus, je crois que je ne l'ai jamais vu aussi sage, j'étais impressionné. En tout cas, c'était incroyable, merci beaucoup d'être passé. Et on a hâte de voir le film. Et merci à vous et puis bon festival, surtout à tout le monde. Venez nombreux ici, ça vaut le coup. Parfait, merci.